Bon les gars, Enfin, on va commencer notre futur Champions League. Galiam vient de demander sur 20 combien c'était l'équipe. Je vais voir la réaction des boss dans le chat. Combien sur 20 cette équipe? Attends, je vais vous la montrer. C'est cette équipe là les gars. Pour les premiers matchs de Champions, les gars, pour moi je dis c'est une vraie belle équipe. Sur 20. 4, pas plus. Nous soufflâmes. Après t'as des 16 ennemis, 16, 13, c'est très... c'est non mais rien. Je sais que le chat où tu veux me faire. C'est tout ou rien. En tout cas les BG, c'est vous qui faites la vidéo. Le gros pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche de notification parce que comme t'as pu voir du coup dans l'équipe on va tester Marco Reus. Reus et Aspilicueta que je voulais tester les gars. Alors in game je vais jouer en 4-2-2-2. Ça va être ça mes tactiques les gars, ça change pas. Par contre je vais mettre Mahrez côté et ça va être Ginola et Reus devant. Gravenberch, Casimiro et Aspilicueta, Klosterman derrière. Au niveau des instructions, alors Ginola dans le dos de la défense rester devant, la même chose pour Reus. Gravenberch rester dans l'attaque, couvrir centre. C'est-à-dire en attaque. Mahrez est dans la surface, revenir en défense. La même chose pour Gabi Jesus, Walker, rester derrière l'attaque. Et la même chose pour Roberto Carlos, rester derrière l'attaque. Les gars, je peux vous mentir que j'avais une carte que je voulais tester, c'était Royce. Si le marché baisse beaucoup là demain, parce que là je vais juste faire les 5-6 premiers matchs. Si le marché baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup demain, les gars, il y a moyen que je me teste d'autres cartes. Fit Centurion qui me pourrait me tester, qui me pourrait me faire kiffer. Ouais. Je pensais notamment à Neymar. Neymar, vraiment, vraiment pour le coup qui baisse bien. Liam, il a dépensé, les gars, à peu près 1,6 million, 1,7 million pour l'équipe. Oh, il joue à 3. Oh, il a une belle équipe. Chiellini, Bale, je les affronte pas souvent. Bien joué Ginola. Bien joué. Là, si on enchaîne comme ça, c'est top. Mais moi, c'est football. Tu vois, cette action, ça va vite. Attention, moi aussi, ce week-end, j'ai mis des beaux buts. Attention. Non, Vincent, toi, c'est passement de jambes, c'est méta. Bien joué, Liam. Jouer à la finition, c'est bien, jouer à la finition, j'ai l'impression. Les gars, je peux vous dire un joueur qui est indispensable dans mon équipe, c'est Casimiro. Casimiro, il est vraiment trop fort. Il est trop fort. Il est vraiment pour le coup trop fort. La version World Cup là. Ouh. Tiens. Tiens. Ouh. Pas mal. On va voir ce que ça va donner, Royce. Oh là là. Oh là là. J'aime beaucoup Royce. Bien joué, Liam. J'aime beaucoup Reus. Il sort bien sa défense, lui. Oh là là. Oh là là, Gabi Jesus. Oh là là. Pas vu, Liam. Ça se passe comment là les gars, la Juve là? En Europa League, ça joue contre Nantes en plus, non? Imagine. Imagine Nantes. Oh, c'est qui ton goal, Neuer? Neuer là, qu'est-ce qui se passe? Neuer, il est pas comme ça quoi avec moi, Liam. Il y a des frérots, ils vont arriver, je te jure, Liam, je pense qu'il y a des frérots, ils vont arriver à la Totti. C'est comme les frérots, ils vont en fond de la classe, ils se mettent à côté du radiateur. Ils auront les mains dans les poches. Et ils attendent. Ils attendent. Ouais. Qui est dans ce cas là, les gars? Qui va arriver à la Totti en tant que touriste? Magnifique l'action, l'1-2 comme ça dans la surface, j'adore. Oh là là, Reus. Oh là 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 là, Reus. En fait, juste avant, tu fais des gauche-droite. Ouais. Tiens. Bien joué, Liam. Alors que moi, tu vois, c'est tac, 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 tac. Tiens, prends ça. Oh, penalty. Tu vois, moi, c'est différent. Bien joué Ginola, j'adore la frappe de Ginola. De temps en temps il a une animation un peu particulière, mais c'est très très bien pour l'instant. Ouf. Ouf. Bien joué lui, bien joué, bien joué. Martin Terrier, Garincha, ouh, Mbappé devant, belle équipe. Ou alors lui. J'ai l'impression que les gens mettent de plus en plus le pressing. C'est vrai ou pas? Enfin, j'ai l'impression que tout de suite les mecs ils font le pressing. Alors pourtant le pressing techniquement il a été patch. C'est au niveau de l'endurance. Ouais ouais non, le mec il met pressing. Dans ce but là t'as quand même pas mal de choses parce que vraiment tu fais une passe, ça va pas entre les jambes du défenseur. Moi je me prends un but comme ça, je pense que je rage. Faut être sûr, Liam, faut être sûr.
Faut tuer. Ouais, mais le mec il défend pas très bien, Vincent. Oh la chance que j'ai sur le rebond. Levé n'est pas un businessman. Prends zéro risque. Moi je suis Dortmund, moi. C'est moi qui les fais, les stars. Oui, allez. Tiens, c'est pas moi qui les achète, les stars. Moi je les fais. Bah oui, allez. Ouh. J'ai l'impression d'affronter tout le temps les mêmes équipes maintenant. J'ai un peu de chance sur le rebond, mais je devais la mettre avec Royce. Oh, quel idiot. Pourquoi je bouge autant le goal? Pour moi, je fais un 20-0 à partir de 1000 balles. Et déjà, faut le faire, le 20-0. Tu l'as fait deux fois. Tu me donnes l'équipe pour. Tu mets deux billets de 500 devant moi. Je te dis, vas-y. Et le mec par contre il est tellement agressif défensivement. Quel côté? À gauche. Oh, j'espère comme vous avez investi sur des fodders vous là récemment les gars? Oh bien joué. Bien joué, super. End of the game. It's a GG mate. C'est le premier match en vrai. Le chat, vous en avez pensé quoi de Marco Reus? Il plante, mais j'ai l'impression qu'il est de temps en temps un peu lent. En fait il est bon, il est réactif, mais j'ai l'impression que de temps en temps il est un peu lent. Quand on parle du ratio de Marco Reus, les gars, il y a eu pas mal de rage kit. Là, il bosse, hein. Si je parle factos, les gars, c'est fort. Moi, j'ai bien kiffé. Ginola, c'est quoi? 7 matchs, 8 buts, 5 passes D. Après, c'est le premier match de Champions, là, attention. Ouais, mais j'ai bien aimé l'équipe. Les frérots, je vais garder cette équipe. Je comptais peut-être sûrement vous revendre les joueurs ce soir, mais je vais la garder parce que j'aime bien l'équipe. Et demain, on va terminer le FUT Champions. Franchement, pour le coup, je trouve que j'ai bien joué. Je l'ai dit, hein. Le gameplay, j'ai trouvé bon ce soir. Donc, je suis content. Et je vais juste vous montrer, les gars, en fait, du coup. Par rapport aux icônes Niro Stotti, on va découvrir ensemble la story de Di Natale. Et en fait, il a mis ça. Mais ça veut tout rien dire en fait, les gars. Ça veut tout rien dire. Après, s'il le dit, ouais, mais bon, il a jamais été dans la Totti, lui, tu vois. Après, peut-être qu'il a été dans l'équipe de l'année plusieurs fois en Serie A, tu vois, mais. Donc voilà, je vais terminer sur ça. C'est énigmatique, quoi. Après, ça se trouve, c'est juste un quelqu'un de graphiste qui lui a fait ça et qui, tu vois, il veut partager, tu vois. C'est ça. Bon, en tout cas, les BGC, si vous avez kiffé la vidéo. Merci les frérots. Merci beaucoup les gars. Gros bisous et moi j'ai bien aimé jouer avec cette équipe en tout cas. Ouais. Vraiment. C'était cool. C'était plaisir. Il faudra voir maintenant ce que ça va donner les derniers matchs de Champions. C'est pas les premiers matchs de Champions. A voir. Factos. Les frérots, bisous. Ciao et on se voit tout à l'heure en stream sur Twitch. Tchuss. Ciao les BG.